Bonjour, bienvenue, ici Jake, vous êtes sur Ivasan Studio et cet après-midi, c'est du jeu indépendant sur la Switch. C'est pas habituel de ma part. Mais voilà, il se trouve que c'est un code Switch que j'ai reçu pour ce jeu et non pas sur Steam. Donc en vrai, ça m'embête un peu parce que je préfère jouer à des jeux physiques sur la Switch, mais c'est pas grave. C'est donc cet après-midi le jeu qui s'appelle Heal. Heal qui comme soin en anglais. Je ne l'ai pas lancé. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je sais juste à peu près le pitch. Voilà. C'est un jeu où on va incarner un vieil homme pris dans sa vieillesse et qui va aborder notamment le sujet de la démence au fur et à mesure de cette vieillesse. Donc c'est un sujet assez lourd, mais le jeu a l'air très poétique et c'est apparemment très très bien amené. C'est un jeu à la base qui est sorti en 2020 et ça a été développé par Jess Makonnen de mémoire, en finlandais. Voilà. Voilà. C'est un jeu où tous les dessins ont été faits à la main. C'est pas le premier jeu comme ça qu'on fait sur Eversound. Mais encore une fois, la patte artistique, comme ça a été dit dans le chat, c'est quand même quelque chose de très important. C'est un métier à part entière. Et là, ce n'est pas du numérique où on met des trucs d'ici de là. Non, non, c'est tout a été fait à la main. Donc le jeu a clairement une âme, en fait. On va dire ça comme ça. Le jeu a une âme. Voilà. Mais encore une fois, je ne sais pas à quoi m'attendre. J'ai juste vu des images. Je n'ai même pas vu le trailer. J'ai juste vu des images. J'ai vu certains avis et vu que c'est un jeu qui correspond vraiment à des jeux, à ce qu'on essaye de faire sur Ivasan avec des jeux à message ou avec des jeux qui font passer des messages, eh bien, le développeur a envoyé la clé. Donc merci beaucoup et let's go, on y va, c'est parti. C'est un point and click. J'ai oublié de dire, c'est un point and click. Raison de plus pour que ça m'embête sur la Switch, en vrai. Parce que point and click, pour moi, c'est plus jouable à souris et donc à l'ordinateur. Mais bon, on va faire avec. C'est édité par Ratalaika Games. C'est un petit chien avec un axolote au-dessus ou un chat au-dessus. Waouh! Il y a plein de langues. Le jeu est traduit dans beaucoup de langues. Ça, c'est chouette. Très bon point du jeu. Ça fait combien? Ça fait 12. Attendez, 6, 12, 18, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29. Le jeu a été traduit dans 29 langues. C'est peu commun. Bravo. On va y jouer en français, du coup. Le jeu de Jess McConnell. La progression étant automatiquement enregistrée lorsque vous terminez un niveau en voyant cette icône. D'accord. Il y a 7 chapitres. Si le son est trop fort, faut me le dire, hein, parce que du coup, vu que je connais pas le jeu, j'ai pas fait les réglages sonores, hein, du jeu. On va laisser tous les sons, je sais pas quoi régler de plus en vrai. Donc on va voir. Il y a une caméra qui tourne derrière ma caméra. Je vous la montre vite fait. Je sais pas si. Non, ah ben là, non, ça veut dire cinématique. Okay. Elle a disparu. Là, ça me dit clairement d'aller cliquer sur le tableau. L'ambiance a l'air assez lugubre. Hein. Donc je suis ce vieil homme. Ah, il y a un bouton de réglage ici. Ah, c'est juste ça, d'accord, ok. Ah, mais attendez. Ah non, je pensais qu'on pouvait régler le volume comme ça. Bon, c'est pas grave. Alors, dans un point and click, je clique partout. Sauf là où il faut, c'est normal, hein. Okay. C'est un
symbole avec un carré et un œil dessus. Hein, on l'a tous vu. On a une comptoise ici. Oui, vous voyez le curseur, c'est bon. Et... ok. Il y a des énigmes aussi. Donc là, on a quoi? C'est des vis. Ah, par contre, la précision... Je vais m'amuser à la manette. Hein. Non, c'est pas ça. Première énigme, je galère déjà. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. J'ai pas tout compris, je vous l'avoue. Ah, d'accord. C'était juste tirer un truc comme ça. Remonter légèrement, c'est comme il l'a dit dans le chat. Ah, ça commence. Je reviens. Je suis obligé de répondre. Je m'absente 1 minute, je reviens. Pardonnez-moi. J'étais censé être dérangé avant le stream en fait. Et bon. C'est pas grave. Oui, donc on avait des choses à dévisser. Hein. C'est un peu comme ça. C'est pas vraiment des vis, mais. Ok. Donc là on va retourner la pancarte. Alors, on a du 35 dans un carré losange bleu, un bout de papier scotché avec B. Il y a un trou ici. Il y a un check là. Ok, bon, bah, vamos. B35, on retient. Oh, je peux dire au monsieur de... D'accord. J'ai l'impression que la porte est scellée, regardez. Voilà, donc là il regarde à travers le trou. Il y a écrit R220 en rouge. Mais pour l'instant, je peux pas accéder. On va sur la comptoise peut-être. Donc il y a bien un truc à faire ici sur la comptoise.
pour l'instant, je sais pas vraiment quelle heure il est ou sur quelle heure tout régler en fait. Je ne sais pas. On va ici. C'est un poste radio. RGB, c'est les couleurs. Ah non, non, attendez, attendez. B, 35. Non, ça n'a pas l'air d'être ça. Et R, 220. Il restera à régler le G peut-être. La comptoise ne m'a pas forcément indiqué quoi que ce soit. Salut Wadjoz dans le chat. Il y a plein de cartons avec un œil rouge. G 25 plus 20, donc G 50. Il y a quelqu'un derrière la vitre, c'est hyper glauque les gens. Je suis pas là pour jouer à un jeu d'horreur. Moi, je ne peux pas jouer à un jeu d'horreur, en fait. Je ne peux pas. Donc, c'est G50. Il est enfermé chez lui, le monsieur. Ou il s'est enfermé chez lui, plutôt. Il y a un papier derrière, là. C'est dans le mur. Il y avait un papier dans le mur. Donc, G50. On a des mains en cercle et des mains en triangle. Le bruit est insupportable. Ah, donc la porte était bien verrouillée. Oh punaise. Un puzzle. Il y a un puzzle. Let's go. Bon, la comptoise, je m'en occupe pas. Pour le moment, je sais pas quoi en faire. Alors, qu'avons-nous là? Je crois qu'il y a un mot. Ça a l'air d'être un mot. J'ai peut-être mis à l'envers. Non, c'est pas un mot, c'est une heure. 11. 7. 7. Attendez. 7. C'est un 9 ou un 11, ça? Ici, c'est 7. Ça, c'est clair. Ici, il y a 7. Bleu, 7. Et jaune, c'est soit 9, soit 11. Soit 9, soit 11. Ok, on retourne à la comptoise. C'est dur. Alors, 7 on a dit. Mais le bleu, je peux pas le... en premier, de toute façon c'est lui qui vient en premier. C'était le 9, c'était donc 9. Elle ne s'arrête pas. Elle continue de tourner, d'accord. Maintenant, je vais pouvoir passer la porte. Néanmoins,
Là, il y a un papier qui traverse le mur, là. Mais je peux rien faire avec. Cette porte-là est condamnée. Ok. Est-ce que il y a du nouveau? D'accord, quoi qu'il arrive, c'est je passe la porte. Soit. Niveau 2, désolé, seconde partie. J'ai pas vu le nom du premier niveau, j'ai pas fait gaffe à comment il s'appelait. Ah là, je vois l'autre côté de la première pièce. C'est un angle là, avec un point et un 1. On retient. Est-ce qu'il y a des choses à gauche? Non, il n'y a rien à gauche. On a un téléphone. Une cheminée. J'ai l'impression que c'est une cheminée. Là, il y a un cadre avec plein de chiffres. Ça va être pour le téléphone, je suppose. Il y a une prise électrique. Là, il y a une espèce de chose tout colorée. Et je suis suivi. D'accord. Un nouvel angle avec deux. Et je peux faire quoi que ce soit pour sortir en fait ou pas du tout? D'accord. Ici on a une porte cachée. Là on a un nouveau cadre. Ok. Ok. Il n'y a rien de plus sur cette pièce. Très bien. Alors on revient en arrière. On va faire les choses telles qu'elles nous sont apparues dans l'ordre, même s'il va falloir aller sur le chiffre du téléphone. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, on a 4 numéros à trouver. Très bien. Donc, on va aller les chercher ici. Ou pas. Oh punaise. Ok, c'est le même principe que tout à l'heure. Ok. Donc là, on est d'accord. Tout est bon. Il y a des points sur des chiffres. Il y a le 2, là, il a un point. Le 4, il a un point. Le 1, il a un point. Le 3, il a un point. Il y a des chiffres en vert et des chiffres en rose. Est-ce que je me fais un post-it pour noter des choses ou est-ce que je retiens? 2, 4, 1, 3. Mais les points, il y avait les angles de tout à l'heure, les gens là. Sinon là, il y a 5, 8, 5, 1. 24, 13, 58, 15. 24, 13, 58, 15, 24, 13, 58, 15. Et là, le siècle, il est en jaune. Il n'est pas en vert. Ok, on va voir la cheminée. Peut-être qu'elle va nous aider. Oula, c'est quoi ça? On dirait des hiéroglyphes. Ah, tiens donc, le 1, il était comme ça, le 2, je crois qu'il était comme ça, mais on n'a pas le 3, pour l'instant il n'y a pas le 3, donc on revient en arrière. Le téléphone,
C'est pas des chiffres avec des points. Hein. Mince, j'ai oublié. Attendez, mais il y a quelque chose sur le côté là. Ah non, ça sert à rien. Punaise, j'ai oublié les chiffres. Vingt-quatre, treize. C'est pas ça. En même temps, il y avait les points. Du coup, 58-15, 58-51, 58-51. Ah oui, mais en même temps, la couleur, bien sûr, c'est ça. C'est pas ça. C'est pas la même couleur en vrai. C'est pas la même couleur. Ou alors c'est 15-58. Comment on l'interprète ça en vrai? Comment est-ce qu'on peut l'interpréter? C'est bizarre. J'ai mis 58-51 ou 58-15 tout à l'heure. Je sais plus. On va voir ça. Mille neuf cent vingt-six. Il y a lui, il s'est activé. Il y a le crochet là, il s'est activé. J'essaye autre chose, hein. Pas ça. Dans quel sens
comprendre ces choses. Et lui, j'ai pas le 3 là. Je vais pas y aller au pif quand même. Attendez, on va revoir ça. Le 1, c'est cet angle là. Ok. Le 1, il est sur le bon angle. Maintenant le 2. Le 2 est dans cet angle là. Pour moi le 2 il est dans le bon angle aussi. Hein. Sauf s'il se penche encore, mais. Non, c'était le bon angle. C'était ça. Ok, j'ai fait au pif. Il y a un truc derrière. Il y a un 3. Et j'ai fait l'angle 3 au pif, hein, c'est pas bien. 40-36. Ok, le deuxième est bon. Il me manque le dernier là. La réponse est ici. Dans quel angle ça se lit? Dans quel angle? Dans quel ordre? 58-15, 58-51, 15-58. Oh punaise, j'ai compris, ça y est. C'est 1, 2, 3, 4 comme ça, donc ça veut dire que c'est 55-18. C'est 55-18. C'est ça, bingo. Et là, il y a l'angle 3 qui était comme ça. On me donne cet angle-là alors que je l'ai résolu juste avant quand même. J'ai réussi à relier ma 3DS avec la suite. Bravo, c'est bien. Interrupteur allumé. Et là, ça devient bien une vraie porte. Très bien. Mais est-ce que je peux retourner ici? Non, il n'y a plus du tout les boutons. On voit que tout est dégradé, les couleurs sont délabrées aussi, le bâtiment. On voit qu'il y a des ravages. Un piano? Mais je sais pas jouer du piano moi. Donc on a, alors avant que je fasse une fausse note, C, D, F, G, A, B. A, B, C, D, C, D, G. C dièse, D dièse, F dièse, G dièse, A dièse. Donc on va appuyer sur D. J'espère que vous avez retenu. Hein. J'ai pas compris le symbole. Niveau 3, circulaire. On est dans un jardin. Je pense qu'en vrai on n'est pas sur un vrai jeu d'exploration, ça sert à rien d'aller à gauche à chaque fois. Un jardin, public. Il y a des boîtes reliées à des fils.
une porte qu'on va pouvoir passer. On est vraiment dans des souvenirs du monsieur en fait. Hein. Des papiers. C'est quoi, des papiers? Non, une clôture déchirée. Là, il y a une guirlande, une autre boîte. Des lumières, un banc, une boîte, une porte, une boîte. Ça se finit jamais. Ok. Bon, je pense que là, il y a du boulot. Hein. C'est beau. Ouais, franchement, c'est très très beau. Ici. Ok. Alors, ouvrons la boîte. Ah si, c'est bon, j'ai compris. Ou pas. J'ai pas tout compris en fait. Oh punaise, d'accord. Bon, en vrai, il faut aller chercher les informations. Mais c'est bon, j'ai compris le principe. Mais faut quand même aller chercher les informations. Allons à cette porte. D'accord. Bon, alors, si les portes servent juste à aller d'un passage à l'autre, bon. Alors, revenons sur la droite. On va chercher les vraies infos et pas faire au pif. Ah non, attendez, c'est vraiment quatre énigmes. Oh punaise, c'est les saisons. Non? Matin, midi, crépuscule, nuit. D'accord. Bon, on va se balader encore. Hein. Ça, je peux pas l'ouvrir pour le moment. Ça sera d'accord, ça, ce sera la nuit. Ça, ce sera à midi. Ok, mais du coup, ça veut dire que je suis obligé. Ah non, attendez, il y a ça là.
Punaise, c'est hyper compliqué à la manette. C'est hyper difficile à la manette, ça. Sérieux, c'était ça l'énigme? Ok. C'est l'idée de jouer manette. J'ai pas le choix, je suis sur la Switch. Il y a une ampoule de la guirlande qui s'allumait. Du coup, les chiffres, faut que j'y aille au pif en fait. Je vais pas voir la réponse. Je vais vraiment devoir y aller au pif. Donc, on avait dit 80. Oui, je sais, je sais. Ça va pas être suffisant. Soixante-sept, c'est pas mal. Ok, 67, c'est pas mal. Punaise, 77 c'est trop. Ah, ça va pas suffire. Eh oui. 65. Là c'est 80. Ah, punaise, trop tôt. Ah, putain. Donc 65, on est bon. 80. Je dirais 40. Et re 60. Ah, c'est plus que 82. Bon, on remet. Non, bon, c'est mort. Ah, punaise, presque. Quarante-trois, c'est trop. Ok, 43, c'est trop. Bon, là, c'est raté. J'ai dit 43, c'est trop. Qu'est-ce que je fais? Je mets 46, quoi. Punaise!
65. Là, c'est 100. Là, c'est 30. 5. Et là, re 65. Je suis pas sûr que ça passe. Oui, ça passe. D'accord. Donc là, on va changer le temps de la journée. Oh punaise, un taquin. Non, c'est pas un taquin, ça va, ouf. Ah, j'espère pas, en vrai. Vous voyez quelque chose, vous? Je vois quelque chose. C'est bon, c'était simple. Des fois, c'est les énigmes qu'on pense les plus dures qui sont les plus simples. Mais il fallait avoir des yeux. Donc là, ça sera la nuit. La nuit aussi. C'est pas bon. Ok. Encore? J'ai l'impression que c'est un
tempête dans la mer. C'est la seule boîte ici, on est d'accord. Okay. Il reste nuit, crépuscule. Et après, nuit. Il y a deux nuits. Il y a un crépuscule, mais il reste que deux lumières dans la guirlande en fait. Non, c'est parce que la guirlande alimente la boîte en fait. Et on va vérifier ça de suite. Ah non. Bah mince alors. Bizarre. Oh punaise. Oui, si ça, il faut que je fasse les deux nuits avant, d'accord. Bon, on va faire la nuit alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Lui, c'est forcément le premier.
j'ai compris. Faut passer par tous les points. Pas ça. Là, il m'en manque deux. Lui, c'est forcément le premier. Là, ça fait 6. De faire ça. Si j'ai le droit de faire ça. Et ouais, là ça passe à travers. Je pense qu'il y a un zigzag diagonal à faire. 1. 2. Ah punaise, mais ça compte comme 1 à partir du moment où j'appuie ça. Donc en fait, je peux faire que 4 traits. J'ai le droit qu'à 4 traits, j'ai pas le droit à 5. C'est une énigme connue, ça, en plus, hein. J'ai pu. Je sais que c'est une. Je sais que c'est une énigme hyper connue. Si quelqu'un a la logique ou a des propositions, je suis preneur. Ce qui me dérange, c'est les flèches là.
tout simplement. Tout simplement. Oh punaise, c'est le machin du piano. Qu'est-ce que... D'accord. J'ai pas tout capté à ça là, je le reconnais. Allez, l'énigme de l'automne, du crépuscule maintenant. En vrai, il n'y a pas tellement d'énigmes, c'est juste tout a été fait, et voilà quoi. Du coup, interrupteur. Non, pas interrupteur. Pourquoi? Ok, c'est juste moi qui suis pas assez doué en fait. C'était pas du papier, c'était une statue. C'était une porte. C'était une porte avec une chaise. Chapitre suivant. Niveau 4, la lutte. Mon pauvre. Toujours rien de caché. Où allons-nous? Là, c'est là où il commence malheureusement partir en vrille. Partez, la flèche elle indique quand même d'aller de l'autre côté. Ok, d'accord. C'est un cercle sans fin. C'est un cercle sans fin. Il peut quand même continuer. C'est la même table à outils. Ok, c'est vraiment un cercle sympa. Alors, qu'est-ce donc? Ça, je pense que c'est quelque chose à déverrouiller.
Là, il y a une flèche qui dit d'aller vers la droite. Je peux pas appuyer sur l'interrupteur. D'accord. Et donc? Serait-ce une bobine? Ça pour ouvrir ça. Très bien. Une poupée qui danse. Le papy fait le rythme. Il s'éloigne de nouveau. Et il revient. Dans ce cas, on va aller dans l'autre sens. Est-ce qu'il a fallu aller plus sur la droite? Pourquoi le berceau il s'envole? Bonjour. Fille. Punaise, je tape à côté. Que ça va former le mot il et que petit à petit ça débloque des traits, des notes. J'espère qu'il n'y a pas plusieurs fins en vrai. Niveau 5, ce qui reste, première partie. Mmh.
Beaucoup d'appareils, encore une fois. Une porte. La même porte. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Une flèche. Gauche-droite avec un X. Une sorte de labyrinthe. Deux fois tourner en rond. Compliqué. Donc là, il peut pas aller plus loin, d'accord. Commençons par ça. Ou ne commençons pas par ça, en fait. Ah, si, attendez. Mais comment voulez-vous que je le sache? C'est pas ça du tout, hein. Il y a de la fumée. Pourquoi il y a de la fumée? Oh punaise, attendez, c'était deux fois comme ça. Et une fois comme ça. Ça m'a pas aidé. Pour le labyrinthe, une fois la flèche. Deux fois l'arrondi. Tout capter. Je fais n'importe quoi. Bon, on peut les changer, tant mieux. C'est pas ça. Là, une bibliothèque. Oh, punaise, d'accord. Là, on a la réponse au câble derrière. Et on a un interrupteur d'allumé. Okay. Alors avant ça, j'ai vu un truc à la fenêtre. Ça va me faire peur encore. Il y a une pelle. Non, c'est pas une pelle, c'est quoi? Je ne comprends pas ce que je suis censé voir à la fenêtre.
Il y a un truc là en tout cas. Je pense que ça sera après. Alors les câbles, on retient ça, on retient. Hein. On retient. Ça, je vois ce que c'est. Ah. Mais bah, ça va être dans quel ordre? C'est ça le truc. Dans quel ordre ça va être? Donc le point rouge en bas à droite. Point rouge en bas à droite. Ensuite ici. Je sais pas lequel c'est celui-là. Ok, lui j'ai compris, lui il va là. C'est pas lui. C'est pas lui. Ah mais il a accroché. Punaise. Ça veut dire que ce cercle, il va plutôt par là. Que lui, il va plutôt par là. Je me suis raté. Que... Putain. Celui-là. C'est pas ça. Et non, hein, c'est pas ça. Hein. Faudrait peut-être que je place le petit en premier. Donc le cercle qui bouge là, le grand qui bouge, il va là. Ça c'est sûr. Le petit. Bah flûte alors. Ça voudrait dire que lui, il va là. Donc, ah, punaise. Non, non, toi, fallait pas que je te bouge.
Non. Oh punaise, c'est pas ça. Pourquoi? Oh punaise, je sais. C'est pas ça. Ici, en vrai. Ouais, c'est ça, lui il est en bas. Voilà, lui il est en bas. C'est ça, et lui il est en haut. Ah, flûte. Eh bien, on est bon là. Pourquoi il n'y a rien de validé? Ok, c'est bon. Et là, on a le machin en bas. Bon, on va faire les câbles. Comment je fais pour les... Ah, j'ai peur. Voilà, ça c'est fait.
une énigme. En dernier, c'est en bas à droite. En avant-dernier, c'est en bas. En bas à droite. En haut. Au bas. À droite. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc là, il faut qu'il soit en haut à gauche. Deux fois retourné. C'est difficile, hein, vraiment. Il y a plein de... Toute la maison qui a gelé, je n'y peux voir là. Il y a plein de stalactites. Oh punaise.
Alors attendez. Des givres. Chapitre niveau 6, ce qui reste seconde partie. Il y a des fringues, on est toujours sur du congelé. Oh punaise, c'est une constellation, c'est une carte, c'est quoi ? Il y a 3 écrits en bas, on l'a vu. Ok, ça ressemble à une voiture télécommandée. Là, il y a une télévision. Pas l'air de fonctionner. Non. Non, y a rien de caché. Y a un truc derrière là, non ? Attendez. Y a un truc derrière les fringues. Hein. Y a un truc derrière les fringues. Qu'est-ce donc que cette chose ? Pas tout compris là non plus. Ah, en bas c'est deux branches, en haut c'est joli et en milieu c'est tentacule. Okay. La télé est allumée. Là, on a des constellations. Oh, punaise.
Alors, c'est ça, mais pas dans le bon sens. Voilà. Là, on est bon déjà. C'est déjà mieux. Et ça, ce symbole-là, on l'avait vu à travers la porte, celui-là. Là. Par contre, pourquoi 3? Il y avait le chiffre 3 romain derrière la porte quand même. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ici il y a un truc. Et ça je pense que je verrai avec la télévision du coup. Là on est d'accord, on voit un 3 romain en bas. Ça on l'a eu. C'est lui et sa femme. Là c'est le 2. Il y a le 2 avec une autre constellation là. Une constellation un peu maison. Ah, il y a bien un truc derrière. Pas ici qu'on va avoir. Donc en 2 c'est la constellation maison, en 3 c'est l'espèce de voiture télécommandée, en 1 c'est ça, en 2 c'est ça pardon, en 3 c'est ça, donc en 2 c'est Oméga, 2 Oméga, 3 ce zigouigoui là, mais du coup c'est quoi en 1? Qu'est-ce qui est en 1? Ah voilà, en 1 c'est la banane. Ok. Donc. Ah oui mais hé, banane, oui, mais à quoi ça correspond en termes de lettres, de signes zodiaques? Banane, c'est le N. D'accord, donc N, Oméga, Zigouigoui. Donc, N. Oméga. Si oui, oui. C'est pas ça? C'est pas ça parce qu'ils sont pas dans le bon sens.
Ah. Voilà. Et il y avait bien un truc derrière les fringues. Le bouclier de Captain America. Ou pas. Qu'est-ce donc? Un puzzle? Comment on pourrait résoudre ce puzzle-là? Il y a 4, 4 fois 4, 16. Il y a 16 possibilités. Donc, s'il y a 16 possibilités. Donc, on va dire ça, ça bouge pas, c'est en 1. Ça n'a pas bougé. Plus de cette possibilité, qu'est-ce que je raconte? On n'a pas fini, hein.
Non. J'ai perdu. Je viens de faire toutes les combinaisons là. Je viens de faire toutes les combinaisons pourtant. J'ai donné raté une. Les trois points en bas sauf la deuxième à droite. J'en ai bien raté une. L'ombre a fait un geste. Ça m'a fait des frissons. Niveau 7, chapitre 7. Se souvenir de nous. Piano. Et un truc a fait coucou à la lumière.
vois la lumière qui s'éteint, petit à petit. Mais il est congelé. Rapport avec Alzheimer aussi, donc. Je veux vous revoir, ne serait-ce qu'une dernière fois. Jess Makonnen. Et oui, la musique peut raviver des souvenirs hein, chez les personnes âgées malades. Ça s'est prouvé. Hein. C'était donc Il, voilà, un jeu sur la vieillesse. Un peu la démence, mais la démence via Alzheimer, hein, du coup. Je pensais qu'il serait un peu plus long en vrai. Et parce que j'avais vu des durées de vie de jeu assez différentes. Mais l'idée était de le faire en entier dans le stream, c'est ce qui a été fait, voilà. C'était Il, on revient là-dessus. Tout a été fait entièrement par Jess Makonnen. Jessie, Jess, je sais pas comment on prononce. Je vais revenir ici. Histoire d'être sur le menu au moins quand même, voilà. Avec la musique et les différents chapitres. Il est assez prenant en vrai et très philosophique et très poétique aussi dans pas mal de choses. Beaucoup d'énigmes qui donnent matière à réflexion. Après, il y a tout. Ça c'était prévisible parce que c'était le jeu qui voulait ça et les renseignements que j'avais pu avoir. Donc le jeu est clairement une sensibilisation à la vieillesse et à nos aînés. Donc prenons soin de nos aînés, c'est hyper important. Dans tous les cas, toutes les situations, voilà, c'est. On n'en a pas 36 à des aînés de toute façon. Et le jeu est quand même plus axé autour d'Alzheimer que la démence, quand même. Donc voilà. Retournez où ? J'ai terminé, tout simplement. J'ai terminé, en fait. Voilà. Donc la fin est assez poétique, encore une fois. Hein, mais direct aussi, direct dans le message qu'elle fait passer. Donc voilà. Je le répète, comme je viens de le répéter, prenons soin de nos aînés. Il faut travailler avec eux et avec elles la mémoire, les gestes, les petits réflexes du quotidien, voilà. J'ai rien vu quasiment. Eh ben tu verras la VOD.
Voilà. Tu recommandes? Je recommande, oui, parce qu'il y a beaucoup d'énigmes. Le jeu est très beau. Un peu prenant, pas tant que ça, mais un peu quand même. Très sensibilisant sur la vieillesse, ça c'est clair. Sur la démence, un peu, mais il est très métaphorique. Donc ça, vraiment, ça passe. Et par contre, très axé autour d'Alzheimer. Ça, oui, ça c'est clair et net. Donc, je recommande en effet. Je pense que je vais me renseigner un peu plus aussi sur ce qu'a fait ce développeur, Jess McConnell, qu'il avait joué sur, il a créé d'autres jeux qui avaient été primés quand même. Donc, j'irai me renseigner. Voilà. Concernant Hill, je vous laisse là. Twitch, restez là. Je vais poursuivre avec autre chose. Pour vous, YouTube, prenez soin de vous, prenez soin de vos aînés, encore une fois. Suivez bien sûr l'actualité de l'association Ibasan Studio sur les différents réseaux. Rejoignez le Discord si ce n'est pas fait. Suivez, abonnez-vous sur Twitch si ce n'est pas fait. Voilà. Je fais une pause. A tout de suite, Twitch, YouTube. À demain, cordialement.